Voilà partie dans ce qui est pour le prix de l'écurie de la Rosemière, et on sait tout de suite Les boutons qui vont maintenant dans la ligne opposée, pas de changement, le tableau en tête avec sa voiture de qui est venu maintenant prendre l'avantage avec quelques escours. Selon la position, on est maintenant le seul joueur du but extérieur. Quand venir également, les concurrents qui abordent le tournant, Chervochon est en scène, c'est même toujours le peloton avec un très grand avantage avec Célestre en seconde position maintenant, un peu comme de venir avec ce Caradeloge qui est maintenant à l'extérieur, les concurrents qui vont maintenant aborder, alors qu'il n'y a plus la fin finale de l'épreuve, avec toujours les mêmes avantages que Chervochon avec un très grand avantage avec Célestre pour le peloton, on est en maintenant, et on n'entend pas que ce travail maintenant avec Célestre qui va donc venir complètement à l'extérieur des concurrents et qui sont maintenant dans cette ligne droite, qui va avoir aussi 350 mètres à trouver un petit peu moins maintenant. Chervochon est par celle qui semble avoir posé distance avec le peloton maintenant. Et qui a toujours l'avantage pour aborder les 200 derniers mètres alors que Pérez est bien plus dans la même position du spectateur. Oh, c'est le terrain qui va faire maintenant avec Pérez, avec une carrière qui sont devant les photos. Sur votre avis, quand c'est qui va s'imposer tranquillement, pour la plus grande version par Pérez. On est deuxième avec l'autre numéro 5, qui est bien parmi nous, qui est bien plus grande. Thank you.